Salut tout le monde, je m'appelle Steve Larsen. Et bienvenue dans cet épisode de Minecraft. Après vous avoir laissé sur une petite note amère du dernier épisode, parce que vous n'aviez pas vu le Nether qui se chargeait devant mes yeux. Eh bien, avant de vous le montrer, de toute façon, j'ai vraiment plein d'autres choses à vous montrer. Voici un moment sponsorisé. Hey! Salut! Je m'appelle Jean-Michel Commanditaire. Sans déconner, cette vidéo est sponsorisée, vous l'avez probablement remarqué avec la petite banderole qui est apparue. Ok, on va faire une petite devinette. Il est gratuit, très addictif, joué par plus de 15 millions de joueurs, disponible sur Android et iOS et PC. Qui suis-je? Avec de l'écho, Raid Shadow Legend! Vous avez bien entendu, il est maintenant disponible sur PC. Regardez ça. Alors sur ton PC, tu télécharges le launcher Plarium Play. On clique sur lancer et c'est pareil comme sur votre téléphone, sauf que vous avez les graphismes maximum du jeu, comme si vous aviez le meilleur téléphone. Et pourtant, ça ne vous prend pas un si gros PC pour y jouer. Alors c'est vraiment accessible à tout le monde. Regardez ça, guys. C'est vraiment génial qu'il soit sur PC, mais je vais vous apprendre le meilleur dans quelques instants. Mais pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'il y a 400 héros collectionnables. Regardez ça! Ouh, regardez-lui! Holy fucking shit! Vous préférez des gros barbares badass? Des démons bien puissants qui arrachent votre âme? Des nains? Il y a même des animaux. Allez jusqu'à un cosplay de la Saint-Patrick. J'ai oublié de vous dire d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur les liens spéciaux et vous obtiendrez 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre voyage. Ah fuck! Je viens d'en perdre une. Mais je termine quand même le combat vainqueur. Et pour terminer, je vais vous montrer la particularité la plus cool selon moi. Si j'ai besoin de partir sur la route, eh bien, je grab mon téléphone et je peux continuer ma partie sur la route. Donc, partout, en tout temps. Bye! Alors voilà, je trouvais que 2 minutes de ce sponsor étaient mieux placées sur cette vidéo de 30 minutes plutôt que mes vidéos habituelles d'une dizaine de minutes où là, je trouve que 2 minutes, ça prend beaucoup de place. Donc, bon, ok, je peux pas vous cacher que je viens de tourner mon background que j'utilise présentement en fond vert. Et honnêtement, je trouve que ça rend bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que là, je suis dans le salon. Je ne suis plus dans mon bureau où il y a mon beau décor en bois que vous connaissez. Malheureusement, bref, j'ai fait une vidéo ici. Querelle de voisins avec le temps, fait trop de bruit et sa chambre était juste en dessous de moi. Mais c'est mal insonorisé où je suis, surtout au niveau du plancher. Donc, en étant dans le salon, c'est beaucoup mieux. Et là, ben, c'est ça, j'ai sorti mon fond vert et de gâteau, parce que sinon, c'est un fond blanc dégueulasse. Et ben, j'utilise ma créativité. Donc, un fond Minecraft, on joue à Minecraft. La dernière vidéo, j'ai fait du BMNG, je me suis mis dans une voiture. Et jusqu'à date, les gens aiment plutôt ça. Et je trouve ça plutôt cool aussi. Bon, on va y aller dans le Nether, n'ayez crainte. C'est juste que j'ai fait un live depuis où j'ai fait plusieurs changements. Et je vais vous présenter ça. Donc là, on a déjà un premier que j'ai envie de vous montrer. On va aller ici. Je me suis rendu compte de quelque chose. Parce que normalement, je joue pas juste à tes souhaits. Yuki, je ne joue pas seulement à Minecraft en live, hein, je veux dire, n'allez pas sur ma chaîne Twitch en croyant que « Oh shit, Steelers joue à Minecraft tout le temps en live ». Non, 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 je joue une fois de temps en temps pour avancer la partie, aller chercher des minerais et tout, pour être mieux préparé quand je vous tourne un épisode comme celle-ci. Et là, bon, on s'est rendu compte que, bah, bordel, ma maison, est vraiment, il manquait beaucoup de choses. Elle n'était pas terminée. Juste ici, il manque, de l'éclairage, il manque des espèces de clôtures pour donner du volume. Et une chose plutôt surprenante, je n'ai pas fait... Regardez ici, là, j'ai un toit. Et, parce que là, j'essaie de vous cacher juste ici. Regardez, il n'y en a même pas ici. J'étais supposé en mettre de tous les côtés quand j'ai construit cette maison, mais j'en ai oublié un. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fabriqué un toit de ce côté. Regardez, boum! Donc, j'ai fait ce côté, et on est en parfait parallèle de l'autre côté. Et ici, on n'a pas de toit.
alors que ici non plus. Alors ça permet d'avoir une certaine différence, et je trouve ça plutôt cool. Pour ceux qui ont des yeux de lynx, vous avez remarqué que j'ai enlevé les torches pour éclairer à la lanterne, parce que c'est plus joli et plus efficace. Mais là où j'ai fait un gros changement, eh bien déjà là, on a un chemin que je me suis fait ici, c'est plutôt joli, mais c'est surtout... Yes! Regardez ça, je me suis fait une espèce de... petite station de train, une espèce de gare en fait, et je trouve ça génial. On a déplacé l'endroit où je me fais expulser et j'ai réparé. C'était juste un problème avec le repeater. Il fallait que je lui laisse un peu plus de temps. Et là, ben, il fonctionne. Donc je me fais sortir juste ici, devant la porte. Alors je peux me rendre à la maison. Et sinon, il fonctionne comme d'hab en fait. C'est juste que, regardez ça, c'est vraiment nice. On a fabriqué ça et là, boum, je descends ici. Voilà! Je trouve ça super cool! Et là, on va aller dans le village, parce que la suite se passe là-bas. OK, alors ici, c'est sûr que ça va être plus difficile à voir, mais j'ai placé des trucs de compost pour qu'on puisse avoir des fermiers. Je me suis fait aider un peu à savoir, regardez juste ici, pour qu'ils puissent avoir des métiers. J'ai commencé en fait un pont là-bas, regardez ça, mais pas un pont en fait, mais plutôt des escaliers. Hein, regardez ça, oh, avec les beaux God Ray, c'est vraiment génial, parce que c'était tout pété ici, donc j'ai pas terminé la rénovation de ce village, mais je vais faire des escaliers, parce que là, il y a des villageois qui sont coincés là-bas. Regardez, il y en a juste ici. Ils ne pouvaient pas descendre, et je trouve ça super con. On va aussi pouvoir faire un golem de fer, mais ça, je sais même pas si j'ai assez de fer avec moi. Alors vraiment, il y a un paquet de trucs, et là, ben, on va aller dans le Nether, pour que vous puissiez voir ce que vous n'avez pas vu dans le précédent épisode. Ah oui, et en plus, j'avais fait une erreur ici. J'avais pas ce petit truc de bois qui était juste là. J'ai fait une cheminée ici. D'ailleurs, je suis supposé d'en avoir éventuellement, mais je vais ajouter une petite touche finale avec la clé. J'ai terminé le haut de ce bâtiment en mettant du verre et en lui mettant un toit. Donc, on a fait quand même plusieurs trucs en live. Alors, je vous invite à me suivre si vous ne vous voulez pas manquer quand que je fais ces petits trucs-là, mais je joue pas souvent à Minecraft, hein, je tiens quand même à le dire, parce qu'on fait vraiment plein de trucs. Quand t'arrives sur un de mes lives, ben, tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber, pour être honnête. Sinon, juste avant d'aller voir le Nether, on se garde un peu de plaisir, je vais revenir rapidement sur les sondages et un commentaire que quelqu'un m'a fait. Il m'a dit « Steel, avant de donner ton avis, qui pourrait en fait changer réellement ce que les gens votent, tu devrais parler d'un vote et donner ton avis dans l'épisode d'après. » Et je trouve ça brillant, parce que vous adorez les sondages. Alors, quelle intro vous préférez? La nouvelle à 87%, et ça ne me surprend pas, je la trouve juste magnifique. Elle est plus simple, elle est plus épurée, elle s'adapte mieux au contenu diversifié que je fais. Sinon, je vous avais demandé si vous préférez la façon que je fais maintenant les épisodes de Minecraft avec des petits timelapses ou des espèces de jump cut où j'ai fabriqué des trucs pour m'avancer un peu plus, et à 67%, vous avez aimé ça, donc je trouve ça vraiment génial, et à 21%, peu importe, j'adore les épisodes. Vous êtes des amours. Et le gros sondage qui était, est-ce que vous êtes pour le suicide assisté, et à 82%, vous êtes pour que ce soit légal. 15%, je suis perplexe, et 2%, je suis contre. OK, c'est parti! On va descendre ici. Oh, ça rend tellement bien avec le shader. Et là, vous vous dites, mais bordel, Steve, pourquoi t'as mis ça devant? C'est pour empêcher les pigments de traverser. J'ai pas envie de me retrouver avec une infestation d'ici à ce que je fasse un système de piston ou un système qui me permet d'éteindre la porte. OK, ben allons faire un tour. J'espère juste que je vais pas crever en traversant. OK, regardez ça. Alors ça charge, mais le problème avec le shader, c'est qu'il n'a pas de brouillard volumétrique ou de brouillard tout court. Alors ce qui fait que, ben ça fait ça.
Et même si je mets mon view distance à 64 et que ça fout mon PC à genoux, même à ça, ça va prendre des plombes à charger et ça va être laid. Mais en soi, il y avait du potentiel. Regardez les flammes, la façon qui éclaire, les ombres qui sont souples et précises. C'est juste magnifique. Et d'ailleurs, je commence à me dire que je suis à un endroit parfait pour que des ghasts viennent me dire coucou. Et au moins, j'ai un briquet avec moi. Ça fait déjà ça, fait que si au moins elle éteint ça, je vais pouvoir dégager. C'est tout ce qui est plus normal. On dirait que j'ai peur de me déplacer et de mourir dans d'atroces souffrances. Et il y a beaucoup de cochons. Mais c'est que, de toute façon, ça va pas aller avant une grosse année, donc je vais devoir explorer. On dirait que j'ai peur de trop explorer parce qu'il va y avoir la Nether Update. Et j'aimerais profiter de la nouvelle génération du nouveau Nether. Je crois que ça serait beaucoup plus intéressant. La seule chose que je peux réellement faire ici, c'est de venir ramasser ça pour faire un peu plus d'XP. Mais parlant d'XP, je veux d'ailleurs me fabriquer une machine vegan. Donc c'est une machine avec du bambou et du cactus. Très efficace, très petite. Se fait avec des pistons super intéressants. Mais pour ça, je dois trouver du putain de bambou. Donc on va explorer aujourd'hui parce que j'ai envie de faire cette machine pour avoir plus d'XP. Et regardez à quel point c'est fucking dangereux. Yes! Il y a des trous juste un peu partout devant la porte là. Il y en a un juste ici en plus. Regarde ça, juste comme... Oups! Ouais, on va pouvoir patcher ça. On va faire attention. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller ramasser... Mon cœur. Satan! Mon cœur s'est arrêté, sérieusement. Quand j'étais en train de me téléporter et que j'ai vu cette boule arriver dans ma gueule, je me suis dit, ça y est, j'explose. J'explose, ça brise le portail, ça me propulse dans la... Il s'est passé beaucoup de trucs. J'ai vu ma vie minecraftienne se défiler devant mes yeux et perdre ma pioche Fortune 2 et tout. Je l'ai amené en enfer. Mais quelle erreur! Donc, quand on va aller explorer le Nether, je ne vais pas amener ma pioche, bien entendu. Je vais être un peu mieux préparé. Je me demande même si je devrais juste prendre un stuff fer. Si j'ai à crever, au moins je ne vais pas perdre un full stuff diam. Je crois que ça pourrait être amplement suffisant, pour être honnête. Alors là, ce que j'aurais envie de faire... je sais pas si ça va être plus efficace. On va aller voir si j'ai assez de fer pour me fabriquer un golem de fer. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais. D'accord, tiens. Il me reste encore un stack. Et maintenant, par contre, ça me prend une citrouille. Je sais que j'en ai près de ma base. On va essayer d'aller trouver ça. Hey, straight to the point. Spot in, c'est direct là. J'avais une bonne mémoire. Je suis quand même chanceux parce que des fois, les citrouilles sont vraiment chiantes à trouver. Direct à côté de chez moi. Ok, attention. Je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai fait un putain de golem. Et... Est-ce que ça me prend vraiment un jack-o'-lantern pour que ça... Oh. Table de craft! Ça me prend une citrouille creusée, en fait. Donc, une citrouille décorée. Et pour ça, ça... Oh, c'était quoi la chance que j'aille 3 lingots qui traînent ici? Yes! Donc, ça me prend, comme ça, une cisaille. Et là, normalement, je balance une citrouille au sol. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Je veux dire, bordel. Ha! Yes! Je crois que c'est la première fois, parce que normalement, il me semble qu'il y en a... Je me rappelle même plus s'il y en a naturellement... qui sont déposés. Je crois que oui. Mais c'est la première fois que j'utilise des cisailles sur une putain de citrouille. Si même vous, c'est la première fois que vous voyez ça,
n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vais peut-être me sentir un peu moins noob, mais je veux dire, il y a plein de trucs que parfois on connaît pas d'un jeu juste parce que bah, ça n'a jamais à donner qu'on le fasse. Ok, alors là, cette fois-ci, je crois que ça va fonctionner. Il fallait qu'il ait un visage, ce petit. Yes! Oh! Et c'était en plus un achievement dans l'épisode précédent, parce que n'oubliez pas, hein, les défis Minecraft Ultimate, le but c'est de faire tous les avancements du jeu. Et dans le dernier épisode, on en avait fait un. On avait ouvert une porte du Nether. Et là, ben, on en a encore tout plein qui vient d'arriver pour nous. Yes! Et là, ben, celui-ci en était justement un. Ah, voilà! Exactement lui. Et là, on en a d'autres qui sont aussi arrivés. Pouh! Bon, ben voilà. Messieurs, vous avez un gardien. C'est super cool. Bon, j'espère juste qu'il va pas se sauver et qu'il va rester dans le village. Salut. Les gens de ce village sont vraiment bizarres des fois. Vous savez ce qui serait cool avec une armure en fer comme ça? Un enchantement fire resistant. Ok. Donc on va essayer ça ici. Protection. Ça donne protection. Merde. Ça m'a pris deux. Bon, c'est quand même pas si mal. À quoi Affinity? Mais c'est pas ça que. Je crois même que. Ah, Blast, il y a. Ah merde, ça c'est juste pour les. Chieux! Les paints. Unbreaking? J'en ai rien à foutre d'unbreaking. Allez, comment on les boot? Ah! Holy fuck! Unbreak. Oh! Wow! Ben bordel, ouais. Ça va être bien. Si je tombe, ça va vraiment amortir la chute. Je ne vais pas cracher là-dessus. Oh! Fire protection! C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et Unbreaking 3 et Fire Protection 2! Oui, 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 oui! Je dis oui! Ah, fantastique! Donc là, vous allez me dire, oh my god, Steve, t'as fait ça sur une armure en fer! Oui, mais ça va être notre armure quand on s'en va se balader dans le Nether. Je vais pas commencer à me faire un. Peut-être plus tard. Je veux dire, à un moment donné, je vais sûrement être pété de diamants et je saurai plus quoi en faire. Et je vais commencer à me fabriquer des maisons en diamants. Mais d'ici là, ben, on va faire une armure en fer. Donc, on va y aller avec ça. Et voilà, j'ai pas envie de crever et perdre un stuff diams. Il y en est fucking pas question, guys. Est-ce que je viens de voir un chat? Oui. What? Mais qu'est-ce qu'un chat fout là? Attends. Je vais le pêcher pour toi, garçon. Attends, il est où? Attends, j'ai du saumon pour toi, chaton! J'espère, bordel de merde, je t'ai donné deux poissons entiers, espèce de gros porc! Ah, alors voilà, assieds-toi ici, petit chaton. Le seul truc, je trouve qu'il miaule trop. Je trouve ça désagréable. Je comprends que, j'imagine, c'est le principe que si tu le perds, que tu puisses le retrouver au son. Donc, ça serait plutôt bizarre si il faudrait t'attendre qu'il miaule à toutes les 45 minutes. Mais sinon, je sais pas, moi, faire une touche qui siffle. Donc, t'appuies sur une touche, ton personnage fait un petit... Et à ce moment-là, ben, tous les animaux à proximité qui sont dressés peuvent faire un appel. Un appel, c'est le golem de fer que j'entends? Oh, hello! Bon, c'est le temps d'aller ramasser un max de quartz. Bon, eh bien, j'ai mon stuff pour aller me balader dans le Nether. Il me reste juste à désactiver le shader. Ah ouais, tout à coup, c'est vraiment moche. C'est tellement mieux avec le shader, c'est incroyable. Là, j'espère juste que la ghast ne m'attend pas de l'autre côté. Oui, elle m'attend de l'autre côté. D'accord. Je sais que je peux peut-être jouer au badminton avec elle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Oh, bon Dieu. Peut-être que Blast Protection était utile. Bah, bordel. Wow! Incroyable à quel point que Fire Resistance
est vraiment efficace. Alors j'étais beaucoup mieux. Ah, voilà. Ah, ok, on commence. Je commence à avoir le coup de tennis, là. Allez, amène-toi. Ok, elle est rendue trop loin, je crois. Le saviez-vous que Notch, dans sa version qu'il aurait voulu avoir, dans des updates qu'il avait prévues, il voulait faire en sorte que les ghasts puissent traverser les portails? Quand tu regardes les updates à travers le temps que Notch voulait ajouter au jeu, tu te rends compte à quel point qu'il voulait vraiment plutôt faire un gros jeu de survie, sa mère, beaucoup plus inspiré d'un jeu RPG de donjon ou une espèce de roguelike qui te donne vraiment énormément de difficultés, plutôt qu'au jeu qu'on est rendu aujourd'hui, qui... Il y a encore sa dose de difficulté, mais vu que ça s'est beaucoup, je dirais, été approprié par les enfants en quelque sorte dans son évolution. Au début, on avait beaucoup plus de joueurs hardcore de Minecraft, et par la suite, c'est... Je suis quand même encore heureux que Mojang ou la suite de Minecraft n'ait pas été trop simplifiée. Parce que parfois, il y a des entreprises qui, malheureusement, on dirait qu'ils tolèrent pas la critique et qu'ils ne se rendent pas compte que leurs joueurs, c'est des enfants et qu'ils n'ont peut-être pas l'expérience d'adultes qui sont déjà un peu plus forgés en jeux vidéo. Et là, ben, ce que ça donne, c'est qu'ils vont se plier aux enfants et ils vont faciliter à travers les mises à jour de plus en plus le jeu. Et je trouve ça dommage. Je vais vous donner un exemple très simple. J'adore Sea of Thieves. Sincèrement, j'adore ce jeu. Il est génial. Je passe toujours des bons moments quand j'y joue. Et j'y joue en live une fois de temps en temps ou toute seule avec des amis quand j'ai envie de me faire une petite soirée. Je trouve ça vraiment fantastique comme jeu. Et au début, le jeu, il était beaucoup plus difficile qu'il l'est aujourd'hui. Il y avait moins de choses. Il y avait beaucoup moins de choses. Le jeu était beaucoup plus vide qu'il l'est aujourd'hui. Donc, en théorie, je pourrais vous dire que je le préfère davantage aujourd'hui qu'à l'époque. Sauf que les gens se sont tellement plaints que c'est trop difficile ramasser du gold. C'est trop difficile ci, c'est trop difficile ça. Donc, ils l'ont simplifié. Alors maintenant, à cause des joueurs qui chialent, eh bien, qui pleurnichent, et qui, au lieu de vouloir juste plus jouer pour devenir meilleur, eh bien, ils ont décidé de simplifier le jeu. Et je trouve ça dommage. Donc, il y a des choses qui... aujourd'hui, là, monter de niveau et ramasser du gold, c'est tellement plus easy que ce que c'était quand le jeu est sorti. Je veux dire, j'aurais aimé qu'il garde une certaine dose de difficulté. Il y a tellement maintenant d'objets, les combats sont quand même encore assez techniques, mais pour des joueurs qui sont bons, ça aussi je trouve ça un peu dommage. Le matchmaking, ça c'est un problème, j'aurais envie de dire, infini de l'industrie du jeu vidéo. Je trouve que le attends, ça c'est des slimes, c'est intéressant ça. Je trouve que le système est pas toujours super bien fait. Donc on peut se retrouver rapidement sur une map avec plusieurs pirates légendaires, ce qui fait que tu te fais juste littéralement nettoyer quand tu passes à côté. T'es là avec ton sloop tranquillement, c'est un petit bateau là, un voile, tu peux juste être deux joueurs dessus et tu te promènes tranquillement et tu te retrouves sur une map qui a seulement des galions. C'est du gros bateau sommaire 3 mâts avec 4 joueurs. Fait que imagine, tu te retrouves sur un serveur où ce qu'il y a juste des galions avec des pirates légendes, vu que le jeu ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Maintenant, bon, on se retrouve avec à peu près tellement plus de pirates légendes. Je me rappelle quand j'avais commencé à jouer au jeu, même après plusieurs mois, parce que comme j'ai dit, c'était beaucoup plus difficile de progresser, eh ben tu croisais un pirate légende, t'étais impressionné. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui commence au jeu, tu sais, un bateau, pas de skin, rien, là t'es impressionné, t'es comme « Oh shit, un noob! » c'est pas habituel, t'es surpris quand tu vois ça. Mais c'est juste chiant quand tu te retrouves sur un serveur où que justement, t'as que des galions avec des pirates légendes qui ont grindé le jeu et qui sont juste tellement rendus bons que la seule chose plaisante qui leur reste, c'est de faire chier les joueurs. Donc, parfois, ça arrive pas souvent, je suis vraiment heureux parce que la communauté est quand même
plutôt très bien. Parce qu'il y a certaines communautés de certains jeux, c'est juste super toxique. Là. C'est pratiquement impossible que tu trouves une partie sans hacker ou sans enfoiré qui va juste gâcher ton plaisir de jouer en ligne. Mais sur Sea of Thieves, sérieusement, c'est quand même encore surprenant. On trouve beaucoup de joueurs qui font du partage, qui vont festoyer avec toi après une victoire ou venir t'aider et tout. Donc, des pirates, il y en a toujours, mais on dirait que le jeu apporte son lot de... Mais qu'est-ce que c'est que ce matériel? C'est de la gravelle? Là, je suis comme pas sûr. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été dans le Nether. Ça vous donne une idée. Oh, mais what the fuck? Mais qu'est-ce que tu fous aussi près de moi? Ça peut être une bonne chose. Un gros combat corps à corps. Arrête de bouger. Aïe! Pourquoi il y avait un son comme ça? Je pensais qu'il y avait... Aïe! Fuck, ça me pète d'en face. Honnêtement, je suis très heureux. Come on. Là. Allez. Ah, merde, je l'ai mangé en pleine face. C'est fantastique. Oh, et regardez ça. Je me mange des boulets en pleine tronche. Je marche dans le feu. Et, je veux dire, il n'est pas tant usé. Merde, j'ai tellement bien fait d'enchanter cette armure de fer. Wouah! Ça va être mon armure pour visiter le Nether. Fantastique. Bon, ok, on a assez de quartz. On a quand même réussi à récupérer les niveaux qu'on a pris pour justement enchanter cette armure. Donc maintenant, retournons à la maison. Et... la dernière qui restait. Donc, j'ai pas pu compléter, il va rester le carré juste ici. Alors là, c'est sûr que, sur le coup, ça vous paraît bizarre. C'est normal parce que là, j'ai pas fait le reste en conséquence. Déjà là, je vais faire ça. Honnêtement, je trouve que c'est trop pareil partout, il y a trop... Ça manquait un peu de douceur, surtout avec un plancher de quartz. Regardez déjà là, à quel point que c'est plus beau. Avec cette texture, je crois pas que je vais... Ah non, en fait, j'ai déjà fait d'un côté. On va le faire partout ainsi. Je trouve que pour un plancher, ça fait plus de sens. Je veux dire, pour un pilier comme ça, OK, il y a de l'écorce. Mais je veux dire, tu laisses pas de l'écorce au sol. Je veux dire, imaginons que ça serait vraiment un véritable plancher. Tu te pèterais la gueule à coup sûr dessus. À moins que tu finirais avec... tu viendrais mettre une couche d'époxy, mais on est dans Minecraft. Donc, je crois pas qu'il y a un... je crois pas qu'il y a un mec qui va venir faire ton époxy sur tes bûches encore pleines d'écorce pour faire un peu de déco dans ta maison. Ces piliers-là aussi, je vais éventuellement les changer. Je suis en train de me construire, en fait... un petit plan dans ma tête. On va changer la décoration parce qu'évidemment, elle n'est pas terminée, cette maison. C'est un projet à long terme où on va pouvoir la façonner pour la rendre de plus en plus belle. Mais moi, ce que j'aime, c'est surtout que j'aurais pas mis ça au sol si ça avait pas été du shader que j'utilise. Sauf que là, on a regardé ça. On a des reflets et je trouve ça... Je sais pas, ça vient ajouter une certaine classe. On commence avec quelque chose de base, et à force de pouvoir ramasser des matériaux de notre aventure, eh bien, on peut les appliquer avec fierté pour montrer notre avancement. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. Donc, n'ayez crainte, quand que ça ici, ça va changer, je vais aussi faire quelque chose de plus joli au centre. J'ai déjà une petite idée, je vais devoir aller me chercher des Sea Lanterns. Ça, c'est dangereux. Allez chercher ça, et je suis vraiment pas prêt encore. C'est terrible. Mais déjà là, ça va avoir mais une gueule, mon ami, bien différente que ce que ça a en ce moment. Alors là, j'ai un peu de bouffe. Pour le reste, ça va quand même plutôt bien. On va aller en direction, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par là. J'ai pas été très très loin dans cette direction et j'espère croiser une jungle ou alors un désert. Parce que dans les deux cas, j'en ai besoin. Que ce soit trouver du cactus ou du bambou.
Alors, et du bambou, j'aimerais ça en avoir, parce que je vais pouvoir en faire pousser à côté et me faire des échafaudages. Ça va être... J'en ai jamais fait, j'ai jamais essayé les échafaudages jusqu'à maintenant. Donc là, je crois que le soleil se couche, je fais un gros dodo, je prépare mon aventure et je pars. Ben alors voilà, la maison est là-bas. J'ai amené avec moi le strict minimum pour aller découvrir des biomes qui, j'espère, ce ne sera pas ceux qu'on connaît déjà. Je sais qu'il y a un biome de glace là-bas, mais là, ce serait vraiment cool parce que j'espère que je ne vais pas avoir à parcourir trop long. Et j'ai aussi, je vais devoir détruire cette structure. Il y a encore quand même du ménage. Il y a encore quand même du ménage à faire. Et là, ben, on va faire le sondage. Le sondage de cet épisode. Et puisque dans le précédent, vous ne m'avez pas nécessairement donné des idées de sondage qui pouvaient vraiment être intéressants sur lesquels débattre, je vais y aller avec une question très très simple parce que ça brûle les lèvres de plusieurs gamers ces derniers temps. Quelle console pensez-vous acheter? Nintendo n'a pas vraiment annoncé quoi que ce soit de nouveau, mais jusqu'à maintenant, là, avec ce que vous avez vu, vous croyez plutôt aller vers la PS5 ou plutôt la nouvelle Xbox? Sinon, si c'est ni un ni l'autre, je vais mettre dans, dans le concours un nouveau PC. Peut-être que vous voulez plutôt garder votre argent pour pouvoir vous acheter un gros PC Master Race. Je crois que je vais même l'écrire comme ça dans le sondage. Donc, PS5, la nouvelle Xbox. Moi, j'ai encore la Scarlett dans la tête, là, mais vous n'êtes pas obligé de me dire comment qu'elle s'appelle. Là. J'ai juste un blanc de mémoire en ce moment. Sinon, un nouveau PC. Donc, les sondages sont ouverts. Gâtez-vous. C'est un bateau retourné. Oh shit! On va aller regarder ça de plus près. Est-ce qu'on l'avait déjà découvert, ce bateau? Ah ben non! Ouh! On a une carte au trésor! On a une carte au trésor! Et là, il y a un autre coffre qui se cache quelque part. Oh 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 oh! Ouh! Et en plus, on a un autre village! Ah! Ben voilà, il est ici. Et des bottes de cuir. Avec du charbon. Je peux bien prendre un peu de charbon. Le papier. Bon, on a quand même une putain de carte au trésor. Et ça, c'est cool. Oh! Oh, et en plus... Je suis tout prêt. Et en plus, je suis tout prêt. En fait, je suis même aligné dessus. Vous croyez que c'est dans cette direction? Ah non, attends. Oh! On est devant! On est à côté! Oh! Oh, mais c'est cool, ça! Putain, je me crois dans Sea of Thieves quand il faut que je cherche... Quand il faut que je cherche un trésor sur une île. Ok. Alors? J'ai entendu un squelette. Mais le coffre serait à peu près ici. Il serait dans l'eau? Oh, la vache, c'est creux. Oh, la vache, c'est creux. Le trésor semble être vraiment creux dans l'eau, si je me fie à la carte. Oh, l'arrêt du cœur que je viens de faire. Oh, l'arrêt du cœur que je viens de faire. Oh, c'est de la joie et après un arrêt du cœur. J'espère que ce coffre en vaut la peine. Ok, on découvre ça, guys. Ou sinon, peut-être dans le prochain épisode. Nah. Je vais vous le montrer, mais juste avant, je vais vous inviter à me suivre sur mon Instagram, mais aussi à aller sur mon site web lesteelers.com et aller voter. Donc, vous allez sur la section « Ton vote » et comme ça, vous pouvez voter pour ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, moi, ça me permet de savoir où mettre mes priorités ou peut-être même découvrir des jeux. Et plus encore, vous n'avez pas idée à quel point cet outil, elle est juste insane pour moi, donc... Allez voter, guys. Mettez ça dans vos favoris. Et là, on s'en va découvrir ça
Allez. Ouh. 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 Yeah. 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 Puis pourquoi pas même le poisson, tiens. Ah! What the fuck? Putain, j'ai oublié que je respirais pas à l'infini. Oh, ça a fait mal. Oh, ça a fait mal. Je ne sais pas si j'avais terminé ma phrase de tout à l'heure quand j'étais dans le Nether à propos de la difficulté et Notch, mais je voulais dire que si Notch avait encore été là et que toutes ses idées avaient été prises en compte, sincèrement, le jeu serait... Je pense pas qu'il serait autant joué, par contre, parce qu'il serait devenu beaucoup trop hardcore. Si on prend toutes les idées qu'il y a eues, là... Wouhou! Ça aurait été vraiment violent. Oh, et en plus, on a un biome de fleurs! Merde! Mais c'est génial! Oh, regardez ça! Pour pouvoir teindre toutes les laines qu'on va pouvoir ramasser pour se fabriquer divers trucs. Oh, mais c'est vraiment cool! Sincèrement, hey, j'ai même un biome de glace. Mais à quel point je me suis installé à un endroit fucking parfait quand j'ai commencé cette série. Ah, c'est génial. Attends, est-ce que c'est un cheval tout noir? Ah, il est acheté. J'aurais aimé qu'il soit comme lui, là. Je veux dire, qu'il soit comme le bébé. Bon, ben, c'est ma foi un beau village. Très simple, un peu moins chaotique que celui qu'on a présentement, que je suis en train de rénover. Je vous dérange pas. L'autre jour, j'ai installé Minecraft pour mon neveu, et ben, lui, il jouait en 1.15, et je me suis rendu compte, parce que j'ai pas, moi, personnellement, testé la 1.15, sauf quand je lui ai installé. Et bordel! Les villages sont beaucoup plus beaux dans la 1.15 que dans la 1.14. J'étais comme, what? C'est what? C'est vraiment génial. C'est un bel upgrade. Bon, ben, je pensais qu'il y aurait eu une forge, mais on dirait bien que non. Alors là, on s'en va dans cette direction et c'est là-dessus qu'on se quitte. On va voir dans le prochain épisode qu'est-ce qui nous attend dans cette aventure de découverte de biomes, sur quoi qu'on va tomber. J'ai très hâte de voir ce qui nous attend. Et j'espère que l'épisode vous a plu. J'ai très hâte de vous lire dans l'espace commentaire sur ce qu'on a discuté aujourd'hui avec ce bloc volant qui me donne très envie d'aller juste l'éclater. Je déteste les blocs qui flottent pour rien. Et nous, on se retrouve dans tout plein d'autres vidéos ou un live comme à tous les vendredis et les lundis sur Twitch. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!